Qu'est-ce que c'est, Philomène? Inutile de prendre tes grands airs, mademoiselle. Nous avons été élevés ensemble et au même lait. Mais tu es ma domestique, et si ça ne te plaît pas. Quand on a servi quelqu'un pendant 50 ans, on s'est habitué à son caractère. Très bien. Alors reste à ta place. Si je partais, tu serais la première à le regretter. Maître Jean est là. Tu pouvais pas le faire entrer? Ça t'aurait privé de dire du mal de moi? Entrez, maître, mademoiselle vous attend. Je dépose mes hommages à vos pieds, mademoiselle. Maître Jean, même si vous êtes mon cadet, nous sommes d'assez vieilles connaissances pour nous éviter les manières. Malgré mes 73 ans, j'entends être de mon siècle. Tant pis si ça choque Philomène. Mais quelle idée de vous laisser dans l'antichambre, au lieu de vous faire entrer ici tout de suite. Ah, elle en prend son aise, sous prétexte que nous avons tété le même lait. Bon. Vous prendrez bien une goutte de ratafia avec On moi. ne vous dérangez pas. Voici, mademoiselle, le ratafia et les biscuits. Constatez le maître Jean, Philomène devance mes ordres. Merci. Pose le plateau, là, et laisse-nous. J'avais pas l'intention de rester. D'ailleurs, ce que vous avez à dire, je le sais déjà. Elle devient impossible. Ah, votre verre, maître. Mille grâces. Oh, je vous en prie, vous n'êtes pas chez madame de Rambouillet. Une fois pour toutes, soyons de notre époque, celle des petites bombes, des petits satellites et des petites fusées à petite tête thermonucléaire, comme disent ces messieurs de la spécialité. Personnellement, j'évite de penser à ces Ah, menaces. moi, c'est le contraire. Plus on risque d'être désintégré d'une heure à l'autre, plus j'ai le désir de profiter de chaque seconde d'une existence amenuisée par la démence universelle. Alors, ce bilan. J'en ai étudié, scruté, sous-pesé chaque poste. Bravo. Outre votre appartement de l'avenue de Suffren, celui-ci, le domaine de Trois Étangs en Normandie et la villa de l'avenue Édouard VII à En Biarritz. passant, je n'attends pas de vous une liste que je peux dresser toute seule. Un bilan, vous ai-je dit. Ben, précisément, il convient d'en examiner chaque élément. Vos bijoux. Maître Jean, je connais mieux que vous le contenu de ma cassette à bijoux. Le soir, souvent, il m'arrive de l'ouvrir sous la lampe. Les souvenirs trouvent un nouvel éclat. Et ces tableaux qui vous entourent représentent également une valeur. Vous déciderez-vous à aborder le sujet qui m'intéresse? Le portefeuille. Voilà. Si j'accepte votre compte en banque, que vous devez connaître. Vous êtes mal renseigné. J'ai trois comptes en banque, ou plus exactement, un compte dans trois banques, dont une en Suisse. 2395 FR. Félicitations, mais vous en ignorez le montant. Il vous suffira de me l'indiquer. Et je le porterai à votre crédit. Parlez-moi plutôt des valeurs. C'est là que j'ai eu tout le mal. Vente, report, liquidation, tout cela plus ou moins justifié, plus ou moins enregistré. S'il y a du désordre dans mes papiers, il n'y en a pas dans ma tête. Je n'ai aucun besoin d'une machine à calculer et ma mémoire dépasse tous les ordinateurs. À quelques centaines de francs, je peux vous donner l'état de ma fortune. Cela vaut les fiches perforées, croyez-moi. À quoi songez-vous? Dois-je être franc? Si cela ne doit pas vous écorcher la bouche. Je pense à vos héritiers. Si j'ose me permettre une question, avez-vous rédigé votre testament? Je vous réserve cette joie, maître Jean. Mais j'y songe. Vous envisagez donc ma mort? Moi pas. Mes héritiers. Avez-vous de leurs nouvelles? Non, et je n'en souhaite pas. En première noce, Madame votre mère, alors Madame de Vauzerelles, a eu un fils, Édouard, votre frère aîné par conséquent, aujourd'hui décédé, laissant un fils, Valentin. Celui-ci
a maintenant 50 ans. Militaire raté, retraité avant l'âge et menant une existence de taupe en province. Il possède un vague petit castel sur la Loire. Mmh. Ensuite, oui, vous ne m'apprenez rien, mais il y a plaisir à l'entendre présenté par un autre. Remarié à monsieur de Pierrefonds, votre mère a eu 3 filles, vous-même, Laure et Armand. J'étais l'aînée, je suis la seule survivante. Peut-être parce que j'ai évité le mariage. Parlez-moi de la fille de Laure. Fabienne a épousé Patrick de Charigny. Ils ont un commerce et gagnent largement leur vie. Mmh. Et le fils d'Armande? Votre sœur avait épousé un parent éloigné. Notre cousin Hector de Pierrefonds. Mmh. Mmh. Un bien bel homme. Que fait leur fils, le jeune Fernand? Oh, pas grand-chose de bon. Il bricole, selon le mot à la mode. Il semble ne jamais manquer d'argent. On le rencontre souvent en compagnie d'une jeune personne qui porte un prénom d'oiseau, Colombe. Que pensez-vous de tout ce joli monde? Valentin de Vauzorel, Fabienne et Patrick, Fernand et Colombe. Les saints neveux qui partageront ce que je laisserai, votre opinion? Voici longtemps que nous nous connaissons, mademoiselle. Vous le rappeliez tout à l'heure. Au fait. Peut-être éprouveriez-vous une joie subtile à retisser des liens familiaux distendus. Je me demande où vous avez récolté cette façon d'exprimer les choses les plus simples. Malgré les meubles d'acier, les contrats accumulés à l'étude exhalent une odeur vieillotte. En bon français de notre temps, vous me suggérez de renouer avec mes neveux. Ouais. Fabienne! Fabienne! Ça, c'est extraordinaire. Quoi donc, Patrick? Cette lettre qui nous arrive. Un client grincheux? Ah, tu n'y es pas. Latin termini. Non. Hmm? C'est une blague. Elle a signé votre tante affectionnée Herminie de Pierrefonds. Oh. Un beau nom, entre parenthèses. Quand je pense que ta mère était une demoiselle Laure de Pierrefonds et qu'elle est devenue Martin par son mariage... Oh, s'il te plaît, ce n'est pas parce que tu es toi, Patrick de Charigny, qu'il faut m'écraser de ta noblesse, qui remonte d'ailleurs à Louis-Philippe égalité. Mmh. Non, revenons à la tante, ça vaudra mieux. Tu as raison. Ma chère nièce, mon cher neveu, par alliance, elle ne me l'envoie pas dire. Hein. Il y a 10 ans, sinon 12, que je n'ai eu le plaisir de recevoir de vos nouvelles. Sans doute, les faits et gestes de la vieille bonne femme que je suis vous intéressent-ils modérément. Sachez que c'est l'inverse pour moi. De loin, j'ai suivi votre existence. Je t'ai vu, Patrick, gravir les échelons. Simple commis d'un magasin de bonneterie. La rosse à la mémoire longue. Tu es devenu voyageur, inspecteur, gérant, patron du magasin. Enfin, aujourd'hui, directeur d'entreprise. Comment ne pas admirer une réussite à laquelle la fille de ma chère Laure a eu sa part? Elle a gardé son penchant à lancer des traits. Pourtant, je lui trouve un accent de tendresse imprévu. Il n'est pas terminé. De mon côté, j'achève une existence solitaire dans cet appartement du Champ de Mars que vous vous rappelez, j'espère. Si je me rappelle, j'en ferai quelque chose, moi. Mais nous n'aurions pas besoin d'investir 30 ou 40 briques dans l'acquisition d'un immeuble. Au moment surtout où il nous faut acheter de nouvelles machines. On en discutera plus tard. Où veut-elle en venir, la tante? Peut-être ce que tu souhaites, écoute plutôt. Oui, mes chers enfants. Ces chers enfants. Je me sens très seul. Je n'ose dire abandonné. Je ne voudrais pas que mon existence se termine sur une telle impression d'échec. J'ai eu des torts envers toi, mon cher neveu. J'aimais ta maman, cette chère Armande, si tôt arrachée à ton amour filial. Pleurez mes yeux et fondez-vous en eau. Dit Fernand, elle n'en craint pas pour le mélo.
ta tante affectionnée. On l'aurait drôlement applaudi dans les deux orphelines. Bah, écrase, ma colombe, il se pourrait que la dame fournisse des subsides à son cher neveu. Tu crois? Oui, tiens, écoute sa beauté blonde. Au moment où je vais comparaître devant le souverain juge, j'ai à cœur de redresser les erreurs que j'aurais commises. Viens me rendre visite, mon cher petit. Viens me conter comment la vie s'arrange pour toi. Et si tu t'es choisi une gentille compagne, n'hésitez pas, mes enfants, venez ensemble. Vous rendrez votre tante heureuse et elle saura vous le montrer. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'on n'est pas mariés. Ben, qu'est-ce que ça change? Tel que je la devine, la bonne femme a le complexe maternel. Suppose qu'elle nous réclame deux ou trois sous-produits. Elle a, hein? Oui, mon Fernand. Où allons-nous? Compris, Mazio. Conservez le courrier. S'il en vient, répondez que je me suis absenté pour 48 heures. Bien, monsieur le baron. Voici mon adresse. Vous pouvez m'y joindre ou laisser un message. Très bien, monsieur le baron. Si madame de Bussy demande où est monsieur le baron... Surtout pas elle. Allez, bonsoir. Bon voyage, monsieur le baron. Bonjour, Philomène. Vous me reconnaissez, j'espère. Le petit Valentin, ce serait malheureux. T'as pas changé? Vous non plus, Philomène. Toujours aussi gaillard. Pourtant, ça nous fait quelques années de plus. Ah, je sais compter. T'as 50 ans et moi 73. Comme la tante Hermini. À propos, elle va bien, cette chère tante? Aussi bien que tu ne le souhaites pas. Le caractère non plus n'est pas changé. Parce que je lis dans le manège des gens, mon garçon. Philomène, franchement, comment vais-je trouver ma tante? Dans son salon. Et très bien, je te le répète. Comme elle a toujours été. Elle m'a écrit une lettre qui m'a porté un coup. Je m'attendais... Non, elle n'est pas encore feu, mademoiselle de Pierrefonds. Va t'en rendre compte par toi-même. Voici Valentin, mademoiselle. Ma chère tante, quel bonheur de... Entre, Valentin. Ne sois pas surpris. Inutile de faire les présentations, n'est-ce pas? Tu me reconnais, je pense. Fabienne. Oh, voyons, ma cousine, tu es dans une forme splendide. Toi aussi, d'ailleurs, Patrick. On se défend, Valentin. Et pourtant, nous n'habitons pas à la campagne, nous autres. Mon rêve, châtelain. Plutôt quelque chose comme gentleman farmer. Oui, un fermier supérieur, quoi, mon colonel. Je ne crois pas vous connaître, jeune homme, à moins que... Tout juste, Fernand de Pierrefonds, votre cousin, 24 ans, ex-deuxième classe, dans l'intendance. Et voici ma femme, Colombe. Charmante, elle est charmante. Merci, monsieur. Eh bien, voilà, mes enfants, notre famille est réunie. En attendant qu'elle s'agrandisse, nos deux tourtereaux, eux, auront d'ici quelques mois un oisillon dans leur nid. Tu rougis, Colombe. Ça lui va très bien. Tu as bon goût, Fernand. Je t'ai plu, sinon ma colombe ne sera plus tenable. De toute façon, ce n'est qu'un espoir, non une certitude. Au fait, ma tante, vous ne m'aviez pas annoncé une réunion aussi complète et aussi réussie. Ah, nous non plus. Ni moi. Nous croyons vous trouver toute seule dans ce grand appartement. Bien agréable, d'ailleurs. Ces fenêtres sur le champ de Mars, la hauteur des plafonds, l'importance des pièces. Il est grand, si je me souviens. Tu te souviens bien, Patrick. Trop grand pour la vieille bonne femme que je suis. Vous savez, Philomène, elle occupe sa place, celle-là. Elle radote un peu. Elle m'en veut parce que je suis riche, parce que je suis une Pierrefonds, parce que je suis la maîtresse et elle, en définitive, la domestique. Qu'est-ce que vous faites, ma tante? J'appelle Philomène. Ça m'étonne même qu'elle n'ait pas déjà répondu. En général, elle écoute à la porte. Personne, mademoiselle? Oui, tu sers le thé. Rassurez-vous, les hommes, il y a aussi du ratafia. Et même de ces alcools violents comme en boivent les espions. Ce n'est pas parce qu'on a 73 ans qu'on ne suit pas la mode. Voilà le thé. J'ai acheté des gâteaux, comme m'a dit mademoiselle. Et puis cette bouteille. Faut que je serve? Colombe va s'en charger. Bien sûr, ma tante. Ah. Vous voir ainsi autour de moi, mes enfants, c'est une promesse pour mes derniers jours. Allons donc, vous nous enterrez tous. Fernand, est-ce que tu n'exagères pas? Enfin, maintenant, vous me comprenez. Mais oui, tu es gentil. Vous êtes tous gentils. Ah, c'est comme si je me découvrais 5 enfants. En passant, permets-moi, Valentin, de te le faire remarquer.
Si tu t'étais mariée, vous seriez 6 autour de moi. Vous ne me convaincrez pas, ma tante. Et si tu te trouvais soudain avec davantage de moyens, beaucoup d'argent à dépenser... Je n'achète jamais de billets de loterie. Oh, il n'y a pas que la loterie. Cet appartement que tu admires, Fabienne, et ma villa de Biarritz, et le domaine de 3 étangs en Normandie, et ces tableaux, ils ont une grande valeur. Il y a aussi la collection de jade réunie par votre grand-père. Ma tante, pourquoi cette énumération? Et il y a mes bijoux. Un jour, mes petites chattes, je vous les montrerai. Ceux que j'ai ici et d'autres qui sont dans mon coffre à la banque avec des valeurs. J'ai si peu dépensé depuis 50 ans. J'ai étudié tout cela récemment et voilà que je me suis trouvée devant une vraie fortune. Alors la pensée m'est venue, est-ce que j'allais mourir sans que mes affaires soient en ordre? Je vous ai réunis pour ça. Pourquoi, ma chère tante? Pour m'aider à faire mes bagages. Je sais bien que Philomène y est toute disposée, et les comptes même. Pourquoi lui laisserais-je quelque chose alors que vous êtes, vous, mes proches parents? Tante, tu songerais? À faire de vous mes héritiers, oui, ma petite Fabienne. Il y aura 3 parts. Évidemment, Valentin, lui qui est seul, sera favorisé. Mais il se chargera de faire une rente à Philomène. Eh bien, vous ne dites rien, mes enfants. C'est la surprise, ma tante. L'émotion. Ça, je n'aurais jamais cru que... Que je puisse avoir bon cœur, mon petit Fernand. Moi non plus, je n'y croyais pas. Mais depuis quelque temps, et plus encore depuis que vous êtes là, ah, il me semble que tout est différent. Je sens en moi des trésors inconnus, des trésors de bonté. Oui, je veux faire de vous des heureux, mes enfants. Des heureux. Café. Pour madame. Ah. J'avais une de ces soifs, moi. Moi aussi, Patrick. Tu as une bonne idée, s'arrêter dans ce café en sortant de chez la tante. Excellente idée. Nous avons le même intérêt désormais. Et quel intérêt? Moi, je crois comprendre. Il s'agit de ne pas se tirer dans les pattes. Bravo, jeune Colombe. La candeur cache la subtilité. Explique-nous alors, toi, l'ancien militaire. Fort simple. Qu'était à nos yeux la tante Herminie? Une place forte lointaine et à 100 lieues de nos préoccupations. Or, la voici qui nous appelle, et mieux, qui ouvre ses portes, ses bras, son cœur, et qui nous promet davantage pour après. Que l'un de nous 5 commette un impair, qu'il affiche une envie maladroite d'hériter dans les moindres délais, résultat, la place forte lève le pont-levis, abat les herses, et nous rejette au loin. Toute la fortune ira à Philomène. Suis-je assez clair, Fernand? Très clair, mon colonel. Ouais, on ne fait pas le malin, mon garçon. Nous jouons le même jeu, avec des cartes, identique, chacun. À la plus légère erreur, nous perdons tout. Mais, bon alors, quel est le plan de feu? Choyer la tante. Lui faire la vie douce. L'entourer de notre tendresse. Et surtout, pour ces dernières années, lui donner ce qui lui a longtemps manqué, une famille. Ainsi, notre chère tante Herminie aura les meilleures raisons de tenir ses promesses. Vous êtes mariés les uns et les autres, moi je suis seul. Comme la tante le souhaite, je m'engage à payer la rente à Philomène. Ce qui fait que naturellement... Si... Patrick. Fabienne. Tu es comme moi, tu penses à Herminie. Plus exactement, aux autres. Tu veux dire Valentin, Fernand? Et même Colombe. Les autres héritiers. Très attendrissante, cette merveilleuse unité de nos 5 en vue de dorloter la tante. Seulement, c'est le contraire qui va se produire. Ils vont la laisser tomber? Ah, ne dis pas de sottise, Fabienne. Chacun s'efforcera de la choyer. Mais pour son propre bénéfice. Là, voyons, Herminie ne nous a pas réunis de la sorte sans une intention déterminée. Laquelle? Nous étudier, nous ausculter, et constater si nous sommes dignes, oui ou non, de son héritage. Elle serait capable d'écarter Fernand ou Valentin? Oui, toi, Fabienne. Et moi, avec toi. Oh.
Fernand, mon chéri. Colombe, mon petit cœur. Plus je songe à tes cousins, plus je me dis que la combine de l'accord parfait, c'est du flan. En quoi tu as raison? Oui, Fabienne et son Patrick ne sont pas arrivés à la tête de leur entreprise sans piétiner quelques plates-bandes. Sinon, quelques cadavres. Idem le lieutenant-colonel Valentin. Leur cinquantaine est faite d'une confortable addition de coups en vache. Ils nous prennent pour des nouveaux-nés. Tu comptes te laisser faire longtemps, mon mignon. Ne sois pas idiote. Notre soi-disant mariage t'a permis de faire du charme à la tante. Le jeu consiste maintenant à ce que tu lui deviennes indispensable. Enfin, imagine, si elle nous invitait à nous installer chez elle. Oh là ! Je suis pas un produit surgelé, moi. Son appartement, c'était un vrai freezer. Oh, 3 ou 4 ans, ou même moins, à avoir le frisson, mais ensuite une existence de luxe, ça vaut la peine, non ? Elle déshériterait les autres, tu crois ? Ça ne dépendra que de notre habileté. Fernand, est-ce que tu songerais par hasard à avancer un peu le moment de l'héritage ? Oh, t'es folle, Colombe. Bien sûr. Mais toi aussi alors, Fernand. Allô, Mazio ? Oui, monsieur le baron. Je suis content d'entendre monsieur le baron. Pas de phrase. Rien de cassé ? Tout va bien, monsieur le baron. Pas de visite ? Juste madame de Bussy qui voulait l'adresse de monsieur le baron. Je ne lui ai pas donné. Parfait. Continuez. Monsieur le baron rentre bientôt ? Non, non. Je dois prolonger mon séjour ici. Ça fera longtemps, monsieur le baron ? Ben, le temps qu'il faudra. Et si madame de Bussy revient ? Même consigne. Vous ne savez pas où je suis. Bon. À propos, Mazio, tâchez de vous informer discrètement. Est-ce que le château de Vieuxac est toujours à vendre ? Monsieur le baron songerait à l'acheter. Pourquoi non ? Obtenez-moi le renseignement, Mazio. Bonsoir. Bonjour, Philomène. Bonjour, Valentin. Comment va-t-elle ? Le mieux en mieux. Et les autres ? Madame Fabienne sort d'ici. Elle lui a apporté une étole de vison. Hier, c'était M. Fernand. Il lui a demandé si elle aimerait faire une croisière. Il m'emmènerait, moi aussi. Philomène, vous êtes ma providence et mon deuxième bureau. Prenez. Oh. Si, 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 si. Et soyez tranquille, je ferai mieux. Quand elle sera morte ? Oh, ne dites pas de choses pareilles. Je ne dis que ce que tu penses. Allez, entre. Je t'attends. Bonjour, ma tante. Vous avez une mine magnifique. Tu mens mal, Valentin. En vérité, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit et aujourd'hui, je me traîne. Rien ne va plus dans cette carcasse. Enfin, ça ne durera plus longtemps. Allons donc, ma tante. Je vous ai apporté ceci. J'espère que cela vous plaira. Fais voir. Oh, cette petite broche. Elle est amusante. Elle vient de la place Vendôme. Vous l'aimez ? Oui, oui. J'aurais préféré des clips. Des broches, j'en ai tellement. Diamants, platines, rubis, des opales aussi. Tandis que des clips, ça fait plus jeune, plus original. Je pourrais les changer. Non, non, je garde ta broche. Seulement une autre fois, souviens-toi, des clips. J'en ai vu l'autre jour, rue de la Paix, une paire. On en place un de chaque côté du corsage. C'est plein de fantaisie. Dis-moi, ça n'a pas l'air d'aller fort. Quelques soucis pour mon petit domaine. Des soucis d'argent ? Et tu m'achètes une broche en diamant. Oh, tu es bien le fils de ton père, dépensier en diable. Toujours prêt à mettre la main à la poche. Enfin, tu rattraperas tout dans quelques mois, sinon dans quelques semaines. J'ai rédigé mon testament, tu sais. Ne parlez pas constamment de cela, ma tante. Oui, toi, tu ne comptes pas dessus. Tu rêves de ton petit domaine. Si je pouvais en dire autant de tes cousins, ils me gardent. Tu ne peux t'en faire une idée. Le vison, là, sur le canapé, c'est Fabienne. Et elle tient à m'offrir un séjour à Cannes, dans le plus grand palace. Je ne lui demandais rien, pourtant. Et Fernand ? Pareil. Tous les jours, des prévenances, des cadeaux. Hier, Colombe m'a parlé d'une voiture. Comme si j'avais besoin d'une auto à mon âge. Le plus beau, ils ont l'intention de m'emmener en croisière dans quelque temps. Le Portugal, les Açores, les Antilles. Regarde le prospectus, tiens. J'aurai une cabine de luxe.
Ils sont gentils à vous. Vous comptez partir avec eux? Et pourquoi non? On note que je vois clair, que ce soit Fabienne ou Colomb, Patrick ou Fernand, leurs cadeaux sont intéressés. Si je déshérite l'un, l'autre en profite du même coup. Franchement, ma tante, je fais ce que je peux, avec mes moyens, qui ne sont pas grands. Mais bien sûr, c'est étrange comme tu ressembles à ton père. Tu joues aussi? Si je joue? Oh, il n'y a pas de mal à ça. Ton père avait une chance insolente, comme si les cartes étaient ses esclaves. Ah, s'il avait pu en dire autant des demoiselles de l'opéra, ce qu'il gagnait au jeu, elle le grignotait le lendemain. Non, ce n'est pas là ce que je risque. Pas les femmes, pas les cartes. Tu me déçois un peu, Valentin. Quoi d'étonnant ensuite que tu aies des soucis avec tes quelques hectares de terre. Vous croyez, ma tante? Vous croyez, comme on le prétend, que la chance accorde ses sourires aux audacieux? Ah, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'affirme pas que la chance soit héréditaire. Mais tout de même, j'ai vu de tels renversements dans une existence parce qu'on avait joué le bon numéro. Extraordinaire. Extraordinaire. Les jeux sont faits. Alors, messieurs, rien ne va plus. 18, pair et manque. À vous, messieurs. Rien ne va plus. 18, pair et manque. 18. 18. 18. 18. Tu es contente, j'imagine, mademoiselle. J'aimerais que tu me dises pourquoi, Philomène. C'est une figure que je ne lis pas dans le jeu que tu mènes avec tes héritiers. Tu leur promets ta fortune, mais en attendant, tu les presses comme des citrons. Avoue que la situation est pleine de fantaisie. L'existence devenait monotone entre moi et toi, jusqu'à nos disputes qui perdaient tout intérêt. Depuis que ces charmants enfants s'occupent de moi, et avec quelle ardeur, chaque journée me réserve une surprise ou un cadeau. Et toi-même, Philomène, est-ce que tu n'en profites pas, comme je l'avais prévu? Chacun te refile la pièce dans l'espoir que tu vas leur annoncer « Mademoiselle Sommer, Mademoiselle est morte !» Réponds. Réponds. Allô? Oui, c'est ici. Qui? L'homme de confiance de Monsieur le Baron? Quel baron? Oh, Valentin! Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oui. Oui, je comprends. Entendu, je lui dirai. Soyez rassurée, mademoiselle ne craint pas les émotions. Eh bien, qu'arrive-t-il à ce nigaud de Valentin? Ce nigaud est mort. Pas possible. Est-ce Patrick ou Fernand qui l'a éliminé? Tu n'auras pas cette joie, mademoiselle. Valentin s'est suicidé. Il a laissé une lettre. Il a demandé que tu sois prévenu, avec ménagement. Suicidé. C'était bien joué, paraît-il, et il a fait de grosses pertes. Alors il a tout hypothéqué, vendu, dans l'espoir de se rattraper. T'as pas l'air étonné. Son père jouait. Il t'a fait pas mal de cadeaux cet an dernier. Ah, probablement, quand le jeu lui était favorable. Il espérait ainsi écarter les autres. Tu ne trouves pas ces procédés ignobles? Déployer tant de ruses pour rester seul héritier. Tu es un monstre, mademoiselle. Qui est le plus monstrueux? Celui qui me dorlote, avec l'espoir que je l'avantagerai au détriment des autres?
ou moi, qui me borne à marquer les points. Alors Fabienne, comment réagit-elle ? On ne peut mieux. Au lieu d'un tiers, vous aurez chacun la moitié, voilà ce qu'elle m'a déclaré. Elle était tout de même émue. C'est moins simple que ça. Le suicide de Valentin la trouble peu. Un homme incapable de supporter une perte et de trouver la recette pour y remédier n'offre à mes yeux aucun intérêt. Telle a été son épitaphe. En revanche, elle m'a révélé que l'attitude de Fernand et de Colombe lui cause de l'inquiétude. Mais ces deux crapules ne cessent de l'inviter. Tous les soirs, souper fin, sortie, que veut-elle de plus ? Justement, elle se demande s'il ne cherche pas à la rendre malade, ou même davantage. Allons, Fabienne, vas-y carrément. Qu'est-ce que tu supposes ? Je ne suppose rien. C'est la tante. Ou, plus précisément, Valentin qui lui a mis cette idée en tête. Il suspectait surtout Colombe. Oh, une gamine de 20 ans. Elle n'en est que plus avide. Elle veut tout, et tout de suite. Devine ce que Valentin avait découvert. Ils ne sont pas mariés. Alors, ça change tout. Tu calcules mal. C'est Fernand, l'héritier. D'ailleurs, la tante Herminie m'a tout l'air de trouver la chose comique. Et s'il l'empoisonne, elle la trouvera aussi comique ? Oui, là, tu as raison. Et je ne me suis pas cachée pour le lui dire. Mais elle est sur ses gardes plus que tu n'imagines. Ce n'est pas parce que vous serez mes héritiers que j'ai l'intention de me laisser assassiner. Voilà ce qu'elle m'a déclaré avec son bon sourire de tante gâteau. Mais elle est folle ! Jamais nous avons envisagé de... Si. Nous avons envisagé. Ou peut-être pas jusqu'à accomplir le geste, mais rêver à quelque chose d'impossible. Sais-tu que Fernand et Colombe l'emmènent en croisière ? Ils partent demain matin en bateau. Mais il ne faut pas, il faut empêcher ça. Rends-toi compte à bord. Tu as mieux à proposer à la tante ? Nous avons tant dépensé déjà pour elle. Oh ben, ce n'est pas le moment d'abandonner. J'emprunterai ce qu'il faudra. Un pareil héritage vaut tous les sacrifices. À propos, son testament. Pas de risque de ce côté. Je méfie de Philomène, moi. Rassure-toi. Tant terminé à déposer son testament chez le notaire. Bon, à son retour de croisière, on lui offrira... Quoi ? Ce qu'elle voudra, là. À toi de le découvrir. Pousse-la dans ses derniers tranchements. La lune, si elle veut. Il nous faut son argent. À condition qu'elle revienne de ce voyage en mer... Enfants, que je me sens bien. Vous avez eu une merveilleuse idée. Tant mieux, ma petite tante. Nous sommes si heureux avec vous. Tu es charmante, Colombe. Toi aussi, Fernand. Ah, vous êtes charmants tous les deux. Même si vous n'êtes pas mariés femme. Ne protestez pas, je suis au courant. C'est cette garce de Fabienne, je parie. N'accuse personne, Fernand. Je ne te renseignerai pas. Non, mais c'est elle, sûrement. Ou Patrick ? Pourquoi je vous le demande, vous causez cette peine, dans l'espoir que vous allez... vous pas... rayez de mon testament. Mais non, ma tante. Jamais nous n'avons pensé. Nous nous en fichons bien de votre héritage. Oui. Mais oui, c'est exact, je ne suis pas la femme de Fernand. Pas encore. Ce sera fait au retour de croisière. C'est ma faute d'ailleurs, si l'on vous a menti, j'avais peur de vous choquer, je ne vous connaissais pas. Maintenant, notre mariage, le vrai... C'est à vous que je le dois, ma petite tante. Tu es habile, Colombe, habile. Quoiqu'un peu trop pressée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tu vas te fâcher. Tant pis. Vous figurez-vous, mes pauvres petits, que je ne lis pas dans votre attitude? Comment? Vous ne me lâchez plus, ni les uns ni les autres. Ce sera celui qui m'inventera le cadeau le plus étonnant, celui qui se montrera le plus prévenant. Et pourquoi, je vous le demande? Mais... Parce que nous vous aimons bien, et que vous nous avez parlé de ce que vous comptiez nous laisser. Oui, je n'ai pas peur, moi, de vous l'avouer. Et n'est-ce pas logique que, par conséquent, que nous vous gâtions tant que nous avons le bonheur de vous garder parmi nous? Est-ce que vous m'en voulez? De plus en plus à droite, la petite Colombe. Et vos cousins ont raison. Ils prétendent que je devrais me méfier davantage de vous. Croyez-vous donc que Patrick a la moindre affection pour vous? Vous n'osez pas répondre, hein? Ah, vous êtes étranges, vous les jeunes.
Il vous faut des affirmations, des réponses sans aucune ambiguïté. Alors que l'existence n'est faite que de chemins de traverse. Et puis ne parlons plus de tout cela. Profitons de la mer, du soleil, de tout ce luxe que je suis enfin en mesure d'apprécier grâce à vous, mes enfants. Ah oui, comme on est bien. Fernand, elle m'effraie. Regarde la sommeillée, on dirait une grande araignée. Non, mais ce n'est pas elle que je crains, Colombe. Mais Patrick et Fabienne. Oh, qu'est-ce qu'ils mijotent, ces deux-là? Ils sont capables de tout, tu entends? De tout! Qu'est-ce que vous chuchotez là, tous les deux dans mon dos? Je vous entends, vous savez. Tu es fixé cette fois, Patrick. Fernand et Colombe ont profité tout à l'heure de la croisière pour manœuvrer Herminie. L'héritage va nous passer sous le nez. Alors on capitule, on ne tente rien. Lui as-tu demandé ce qu'elle désirait, comme je l'avais conseillé? Réponse: rien, ma petite Fabienne, rien du tout. Vous ne m'avez que trop gâté déjà. La rosse! Ah, il y a sûrement quelque chose, voyons. Il lui en offre une croisière. Si je l'emmenais pour plusieurs mois, un grand voyage. Un an, deux, au besoin, loin de France, loin des autres. Bah et moi, pendant ce temps-là, je reste seul pour diriger la boîte. Rien ne garantit d'ailleurs que la tante trouvera dans notre sacrifice une raison de changer son testament en notre faveur. Non, Patrick, non. La seule solution, la seule, c'est d'éliminer l'obstacle. Quoi? La tante? Mais non! Fernand et Colombe, par la même occasion, bien entendu. Tu parles de ça comme s'il s'agissait de nettoyer les carreaux. C'est ainsi qu'il faut concevoir la chose. Elle ne demande qu'un peu de résolution et pas même beaucoup d'audace. Où habitent Fernand et Colombe? Une petite maison à Saint-Cloud. Une rue déserte, le soir. Pas d'auto. De rares passants. L'idéal, quoi? Avec un peu de chance et un minimum d'adresse. Cette fois, c'est gagné, Colombe. J'en suis moins sûre que toi, Fernand. Écoute plutôt. Aujourd'hui, ta tante m'a déclaré, avec un joli trémolo dans la voix, « Tout de même, ce serait injuste de rayer Fabienne de mon testament, la fille de ma sœur. » Et elle a ajouté, « Elle est intéressée, c'est vrai, mais pas plus que vous deux. Hein ?» Non, ça ne tient pas debout. Nous sommes jeunes, nous. Nous saurons profiter de l'argent. Et par-dessus le marché, je n'ai plus un sou. Alors, une seule solution. Supprimer les deux autres. C'est ça, comme on donne un coup d'aspirateur. Bah, lorsqu'il y a un tas de cailloux sur une route, on prend un bulldozer pour s'en débarrasser. Ce qui vous mène droit en cabane. L'essentiel, c'est d'accepter l'idée. Après, les moyens, la technique, l'exécution, sans oublier la Libye, ça ne demande qu'un minimum de réflexion et de courage. Tiens, je suis bien certaine que Fabienne partage ma façon de voir. Fabienne? Oui, seulement elle, c'est pour son compte, voilà la différence. À toi de choisir, eux ou nous. Il ne tarde pas trop. Ou bien l'un de ces matins, on ne se réveillera pas. Dans cette maison isolée, je ne m'endors jamais tranquille. Quel épouvantable malheur, mes pauvres enfants. Il y a un instant, je le disais à Philomène. En vérité, mademoiselle, tu me disais qu'il faudrait davantage veiller sur toi. Ça se comprend. C'est une véritable épidémie autour de moi. Parce qu'il y a un an, lorsque je vous ai réunis ici, vous étiez cinq. Aujourd'hui, vous n'êtes plus que deux. Il y a quelques semaines, c'était le suicide de Valentin. Hier, Fernand et Colomb. Et dans quelles circonstances? À quoi pensez-vous, ma tante? Mais à ce que je dis, ma petite Fabienne. Avouez-le, cet incendie qui éclate en pleine nuit et qui réduit en cendres la maison de Fernand,
la maison, il dormait en compagnie de Colombe. Est-ce qu'on fait une enquête, Patrick? Évidemment. On ne trouvera rien, je suppose. Tout de même, un feu aussi brutal. Un incendie, c'est toujours brutal. Même s'il a longtemps couvé avant d'éclater. Ça a pris au sous-sol, paraît-il. Fernand gardait là un tas de vieilleries, des papiers, des meubles au rebut. De quoi flamber d'un coup. Et vous avez un alibi. Oh, vous employez de ces mots, ma tante. Nous étions au cinéma, aux Champs-Élysées. Patrick s'est même querellé avec la caissière parce qu'elle n'avait pas la monnaie de 500. Une querelle. Ah, ce n'est pas mal trouvé. À quoi songez-vous, tante Herminie? Non, rien de spécial, ma petite chérie. Je regarde les gens, j'observe les événements. Je tâche de suivre le mouvement, ce n'est pas facile. Tout va vite, trop vite pour moi. Philomène voudrait que je ne bouge pas, que je sorte le moins possible. Alors, où serait le plaisir? En tout cas, je t'aurais prévenu, mademoiselle. Ça finira mal. Mais non. Vois plutôt ce qui est arrivé à notre petite Colombe. Elle était pourtant habile. Il n'y avait qu'à voir comment elle tournait autour de moi. Elle s'ingéniait à trouver un moyen pour hériter sans danger. Eh bien, un chasseur à droit l'a abattue avant. Merci, Patrick. De quoi? Je t'avais mal jugé. Tu es digne de Fabienne. Vous irez loin ensemble, très loin. Ah, quand vous toucherez ma succession, votre existence changera, mes enfants. N'est-ce pas, Philomène? Elle ne mêle pas à tout ça, mademoiselle. Si je t'ennuie, pourquoi restes-tu avec nous? Va donc préparer le dîner. Quelque chose de soigné. Parce que trois de mes neveux ont jugé à propos de quitter ce monde, ce n'est pas une raison pour nous priver. Allez, va-va! Tant pis pour toi, mademoiselle. Ah, décidément, quelle originale que cette Philomène. Je la croyais toujours sur le point de révéler des secrets d'État. Le seul malheur pour elle, c'est qu'elle ne sait rien. Exemple, elle ignore l'article 727. L'article 727 du Code civil. Moi, je le connais par cœur. Écoutez plutôt. Article 727. Sont indignes de succéder et comme tel exclut des successions. Exclut. Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt. Voilà, défunt. Amusant, hein? Comique. Marrant. La bonne petite vie que nous allons goûter tous les trois. Car Philomène ne compte pas, inutile de le dire. Quoi, ma tante? Vous... Désormais, mes enfants, je me livre entièrement à vos bons soins. À vous de diriger la maison, de régler nos distractions, d'organiser nos sorties, d'étudier nos voyages, tout quoi. C'était votre vœu secret. Eh bien, je l'exauce. Quelle joie! Installez-vous. Eh oui, ici, dans l'appartement du Champ de Mars. Tu en avais envie, Fabienne. Te voici chez toi. Chez nous, enfin. Rassure-toi, Patrick. Je n'en ai plus pour longtemps. Oh, mais voyons, ma tante. Je n'ai jamais envisagé... Tant mieux. Tout de même, rappelle-toi l'article 727. Je ne dis pas ça pour moi, remarque. Mais dans ton propre intérêt... Fabienne, ça va faire 10 ans maintenant que ça dure. Plus bas, Patrick, si elle t'entendait. Un peu de patience, mon chéri, ça ne peut plus... Tu as beau me donner du chéri, entre nous tout est changé. Comme si nous étions deux ennemis enchaînés. Par la faute de ta tante. Elle pollue tout ce qui l'approche. Et ça fait 10 années que nous vivons ici. Avec elle, tenue par elle, dominée par elle. Si encore elle en était de sa poche. Mais rien du tout, c'est nous, toujours nous. Mais ça finira, et alors nous aurons tout. Les choses redeviendront entre nous deux comme avant. Son testament est formel, je suis sa légataire universelle. Et il n'y a même plus la rente à servir à Philomène. Oh, celle-là, elle a aussi bien fait disparaître. Je me demande comment je ne l'ai pas fichue par la fenêtre. Il y a un inconvénient, c'est moi qui la remplace à la cuisine. Pourtant, constate-le, Patrick, je l'accepte de mon mieux, en songeant à après.
Ah, vous voici mes enfants. Je vous cherchais. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon pour ce soir, ma petite Fabienne? Encore une gâterie. Oh, je me sens une faim. Une faim de 20 ans. On passe bientôt à table. Oui. Excellent. Tu es devenue une merveilleuse maîtresse de maison, Fabienne. Ton mari pourra me remercier. Ton salmi, vois-tu, un régal. J'en ai trop mangé. Oh, vous allez bien goûter de mon soufflé. Ah non, non, plus rien. Je l'ai soigné particulièrement, un soufflé aux noisettes. T'es diabolique, ma nièce, c'est mal. Alors, un tout petit peu. Non, non, pas tant. Quoique, il a l'air si bon. Encore une miette. Là. Exquis. Tu ferais fortune. Comme quand, d'eau bleue, Fabienne. Patrick! Elle s'étouffe. Mais non, elle a l'air de travers. Mais si, elle fait quelque chose. Le docteur. Bon, à ton aise. Ça vaudra mieux. Asseyez-vous, madame et monsieur. Nous allons procéder à la lecture du testament de mademoiselle de Pierrefonds, votre tante. Un instant, maître. Je ne crois pas connaître monsieur. Qui est-il? À quel titre assisterait-il à une lecture qui ne regarde que nous? Enfin, du moins, j'espère. Monsieur se trouve ici à la demande expresse de mademoiselle de Pierrefonds. Ne me racontez pas que notre tante avait un parent inconnu. Ou une liaison clandestine, nous l'aurions connue. Nous venons de vivre 10 ans auprès d'elle, ne l'oubliez pas. Monsieur Renaud Dubois est témoin, pas davantage. Mademoiselle, votre tante le voulait ainsi. J'obéis à ses volontés. Toujours original, la tante. Peu importe, finissons-en. Voici donc le testament, en la forme mystique, de demoiselle Herminie Adèle Félicité de Pierrefonds, rédigé et clos par ses soins, déposé par devant nous en présence de 6 témoins. De tout quoi, procès verbal. Je sous-signe, Herminie de Pierrefonds constitue pour seuls et uniques légataires universels mes neveux survivants au jour de mon décès. Fait, signé, etc. C'est tout? C'est tout, madame. Mais largement suffisant pour ce qui vous concerne. Votre état civil est indiscutable. Je m'en suis assuré il y a longtemps. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Que l'envoi en possession ne tarde pas, s'il vous plaît, maître. Comptez sur moi. Toutefois, il existe un codicille. Il me fut remis par votre tante environ 1 mois avant son décès. Quel nouveau coup a-t-elle mijoté? Ce sont plutôt des précisions accessoires. Voici en tout cas. Je sais aujourd'hui que, sauf imprévu, ma nièce Fabienne et son époux Patrick hériteront de l'ensemble de mes biens. Ce n'est que justice. Ainsi seront-ils remerciés non seulement de la vigilance qu'ils apportèrent à entourer mes dernières années... Ça, c'est exact. Mes dernières années, mais encore de l'adresse exceptionnelle avec laquelle ils ont éliminé mon neveu Fernand et l'aimable Colombe, sa concubine. Qu'est-ce que... Mais c'est fou! Je le déraillais. Mademoiselle de Pierrefonds était en parfaite santé physique et mentale lorsqu'elle m'a confié ce codicille. Mais je... Au surplus, elle m'a remis également une lettre à l'intention de la police. Je rêve! Que vient faire la police là-dedans? La police, comme vous dites, monsieur, c'est moi. C'était donc ça, vous, le témoin. Inspecteur Renaud Dubois, notez, monsieur, que je me borne à écouter. La lettre écrite par votre tante à notre intention manque de précision, en effet. Elle évoque simplement un incendie criminel qui serait survenu voici 10 années à Saint-Cloud. S'il vous plaît, messieurs, j'aimerais achever ma lecture. Je vous en prie. Aux yeux de la police, mes neveux sauront cependant se justifier, je n'en doute pas. En tout cas, qu'on ne les accuse pas de ma mort. Ils n'auront rien risqué contre moi, j'en suis sûr. Je leur ai révélé en temps utile les secrets de l'article 727 du Code civil. Ils sont dignes en tout point d'hériter de la totalité de mes biens.
Il conviendra pourtant d'effectuer une autopsie. Oh, tout ce que vous voudrez. Elle a succombé à une indigestion. Mais je ne demande qu'à vous croire, monsieur. Allons-nous-en, Patrick. Si vous désirez nous rencontrer, monsieur l'inspecteur, vous savez où nous trouver. Un instant, madame. Et je dis que j'avais terminé. Il me faut vous donner un bref aperçu des biens constituant la succession. Trois immeubles... Mais on le sait, l'appartement de Paris, le domaine de Trois Étangs, la villa de Biarritz. Tous trois hypothéqués au-delà de leur valeur. Que... Très au-delà. Non, ne dites pas. Ne nous dites pas, enfin, les bijoux dans sa cassette. Et à la banque. Des copies. Et les tableaux. Des copies aussi. Enfin, je les ai toujours vus là. Je les ai fait expertiser en douce. Non, pas des copies. Ah, ben c'est déjà ça. Des faux. Que... Votre expert s'est trompé, cela arrive. Les titres aussi, je suppose, zéro. Moins que zéro. Des dettes. Oh. Sans vous en douter, et dois-je le dire, sans que j'en ai eu alors la certitude, vos cousins et vous-même avez fréquemment permis à mademoiselle votre tante de faire taire ses créanciers parmi les plus exigeants. Malgré mes conseils, elle empruntait à des taux usuraires. Mais bon sang, qu'a-t-elle fait toute cette oseille? Pas de mari, pas d'enfant. Le jeu. Que... Toute sa vie, mademoiselle de Pierrefonds a joué, avec une discrétion exemplaire, et selon toutes les possibilités qu'offre le hasard. Quand elle a constaté qu'il ne lui restait d'autre ressource que la maison de retraite, elle vous a recherché et vous a confié ses dernières années. Encore une forme de jeu. Et là, elle a gagné. Vous avez été très généreux les uns et les autres. Je vous ai souvent admiré. Sans nous prévenir ? C'était elle ma cliente. J'ai terminé, madame et monsieur. Pas moi, pas moi. Vous, le flic, fichez-nous bien la paix. De toute façon, il y a prescription. Non, il s'en faut d'un mois, monsieur. Si mademoiselle, votre tante, avait eu son indigestion le mois prochain, alors là, oui, il y aurait eu prescription. Cette fois, elle a réussi sa martingale. Une araignée. Elle nous a tous attrapés dans sa toile.